Bonjour les enfants, mon nom est Madame Duguay et c'est moi qui vais être votre professeur cette année. Alors pour commencer la journée, on va se réchauffer avec des petits exercices de mathématiques. Arrêtez-moi ça tout de suite là. Vous allez voir, c'est un problème simple. Ok, concentrez-vous bien. Marie a 6 pommes. Si Paul lui prend 2 pommes, combien restera-t-il de pommes à Marie? Oui, Gabriel? Ben moi, j'ai une question. Pourquoi Paul, il prend les pommes à Marie? Oh, c'est vrai, ça. Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Pourquoi, Ah, ben ça, c'est pas important, là. Concentrez-vous juste sur le problème. Ben, d'après moi, c'est ça, le problème. Hey, Paul, c'est un piqueur de pommes. Piqueur de pommes. Non, c'est pas, vous comprenez pas, là. Bien, imaginez-vous que Paul et Marie sont de très bons amis. Paul a fait ça juste pour rire. Ben voyons donc, y a rien de drôle là-dedans, là. Tout le monde sait ça, c'est contre la loi de voler les biens d'autrui. Ah, regarde, c'est juste une histoire pour illustrer un petit problème de mathématiques, là. Fais juste 6 moins 2, OK? Ça fait 4. Non, c'est pas juste un petit problème de mathématiques, ça. C'est un grand problème de comportement, puis ça ronge notre société. Fait qu'on commencera pas à tolérer ça, là. Dans mon livre, moi, Paul, c'est un voleur, puis faut qu'il aille en prison. En prison! Écoutez, les enfants, là, on peut pas envoyer Paul en prison. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que Paul, il existe pas, OK? Je l'ai inventé, là, il existe pas. C'est une petite histoire, c'est tout. Il n'y en a pas de Paul. Ah, ouais? Ben là, si Paul n'existe pas, là, c'est qui a volé les pommes de Marie, d'abord, hein? Ouais, hein? C'est vrai, ça, c'est qui? Oh boy, je pense que l'année va être longue. Puis à part de ça, là, je pense à ça, t'étais où, toi, quand c'est arrivé, hein? T'as-tu un alibi, là? Parce que t'en parles pas mal, comme de cet état-là, tu sais. Check dans sa sacoche, là, les pommes mousses. En tout cas, compte pas chanceux d'être sauvé par la cloche. Parce que c'est toi le suspect numéro un dans cette histoire-là. Non, c'est que j'ai mis le Valium, moi, là. Puis pense pas te pousser pendant la récréation, parce que moi, j'ai pas fini avec toi. L'enquête ne fait que commencer. C'est louche, ton affaire. Maudite caisse de pommes.